donation d'équipements de protection, de matériel de prélèvement et de consommables de laboratoire constitue une aide très précieuse dans la détection rapide de foyers de maladies animales émergentes, qui sont surtout hautement pathogènes, tels que la grippe aviaire dont nous parlons aujourd'hui. Monsieur le ministre, pour finir, chers invités, je vous dis au bismillah, soyez les bienvenus chez nous. Je vous remercie. Et je voudrais réitérer, monsieur le ministre, combien nous sommes heureux de voir tous les efforts fournis par votre gouvernement pour mettre à disposition de l'équipe les outils et les espaces de travail dans des conditions extrêmement appréciées. Mais l'État met aussi en œuvre au profit des acteurs nationaux des activités de renforcement des infrastructures, mais également des capacités de diagnostic de laboratoire, il en a parlé tout à l'heure, de capacités de préparation et de riposte aux crises sanitaires, et bien entendu, y compris récemment, les liens avec des pandémies comme celle de la COVID. En cette cérémonie symbolique, mais pleine de signification. En effet, elle consacre la remise des équipements de protection et des réactifs consommables dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire à la Direction nationale des services vétérinaires et au Laboratoire central vétérinaire. À titre de rappel, c'est au courant du mois de février 2022 que des cas de grippe aviaire ont réapparu dans le cercle de Kati. Le ministère du Développement rural a, dans un communiqué de presse, le 30 mars 2022, notifié l'apparition de la maladie. Suite à cela, la Direction nationale des services vétérinaires et le Laboratoire central vétérinaire ont fourni des requêtes pour un accompagnement en équipement de protection individuelle, de réactifs, de diagnostic, etc. La FAO, fidèle à ses engagements d'accompagner le gouvernement du Mali, vient par ce geste de répondre favorablement à cette sollicitude. Il faut signaler que ces équipements et réactifs et autres ont été acquis avec l'accompagnement de l'Agence des États-Unis pour le développement rural. Que la FAO et l'USAID trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour le soutien constant au secteur agricole en général et à l'élevage en particulier. Cette donation porte sur deux lots composés d'équipements et de protections individuelles, des réactifs et des consommables de laboratoire, à savoir des aiguilles de prélèvement, des micropipettes, des kits et des tests de dépistage rapide de désinfectants. Cet appui vient en complément, comme le représentant de la FAO vient de le dire, de celui de 2021, lors de la première apparition de la grippe aviaire au Mali, et représente une valeur cumulée de 124 775 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, l'appui ainsi accordé au Laboratoire central vétérinaire et à la Direction nationale des services vétérinaires permettra de renforcer les capacités de ces structures et aider notre pays dans la lutte contre cette maladie. Avant de terminer mes propos, permettez-moi d'adresser les remerciements et les reconnaissances des plus hautes autorités du Mali, à savoir son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokola Maïga, à la FAO et à l'USAID pour leur accompagnement à notre pays.